sommes vendredi, dernier jour de la semaine, enfin avant le week-end quoi. Et surtout, dernier jour avant les vacances. Donc voilà, ça passe tellement vite. Je suis trop contente là, j'ai besoin d'une pause. Je vous jure, je suis fatiguée. Vous allez dire, pourquoi elle se lève à cette heure là alors qu'elle prend à 13h40. Sûrement parce que j'ai envie d'aller à la salle. Hier, je suis pas allée à la salle et bref, j'ai passé une mauvaise journée. Pas forcément qu'à cause de ça, mais je sais que si je vais à la salle, ça me met en forme et tout. Du coup, voilà. Je vais aller à la salle ce matin. Oula, faut que je vais charger mon ordi. Parce que je me mets plus belle la vie dessus. Et sinon, hier, j'ai reçu des colis. Donc, je voulais vous montrer. Enfin, je vous montrerai peut-être après plutôt. Et je vais aller à la salle assez tôt. Parce que mon copain a reçu un message en disant qu'il recevait un colis entre 10h et midi. Aïe! Donc, que je sois revenue vers 10h, ça serait plutôt bien. Enfin. Oh, ah, je vous ai posé, vous êtes posé sur un petit chardonnay. Donc c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir. Donc je vous avais déjà dit qu'il y a un poisson qui est malade, qui est juste à côté de moi là, dans un bocal avec du produit là, médicament. Et donc je rentre et tout, je le vois qu'il s'agite à mort. Mais vraiment partout et tout, je me dis ouais cool, il va mieux, tout ça. Et là d'un coup, genre il nage comme ça, et d'un coup il se... Et il tombe au sol et je me suis dit, oh, je l'ai vu mourir devant moi et tout, oh là là, je sais pas, c'était trop bizarre, vraiment trop trop bizarre. Et il a pas du tout rebougé de la soirée. Quand je suis partie me coucher, je me suis dit, bon bah tant pis, il est mort, voilà, c'est la vie. Donc je vais le laisser, enfin je m'en occuperai demain quoi, là j'étais fatiguée et tout ça. Et le lendemain, qui c'est que je vois bouger dans le truc? Le poisson. Du coup j'ai pas du tout compris. Et là il était, et là je viens de voir ce matin, il était bizarrement sur le côté et là il rebouge un petit peu. Du coup je ne comprends pas ce poisson, quand il bouge plus, qu'il a l'impression qu'il est mort, je ne veux pas le jeter parce que on dirait qu'il ressuscite le poisson, il est chelou. L'autre c'est comme un chat, il a 7 vies quoi. Et du coup je comprends pas trop en fait. Mais en tout cas là quand il était sur le côté j'ai vu que bah il a plus trop de couleurs. Enfin de toute façon les poissons quand ils sont pas bien en fait ils sont pas très colorés tout ça. Je suis depuis tout à l'heure en train d'essayer d'ouvrir ma banane parce que ça veut pas. Du coup ça m'a fait vraiment trop trop bizarre de le voir en gros mourir. Enfin, parce que c'est comme s'il était mort quoi. J'avais beau le essayer de le faire bouger, il ne bougeait pas. C'est comme si vraiment il était mort. Mais il n'était pas mort. Donc si vous vous y connaissez en poisson et que vous avez des explications à me donner, je veux bien parce que je n'ai rien compris à ce qui est arrivé. Franchement rien compris. Bon let's go. Direction la salle et aujourd'hui je pense à être séance bras. En tout cas il me restera plus que ma séance dos et poule à faire cette semaine. Voilà, c'est plutôt cool. Bon mais voilà, sortie de la salle. J'aurais pu rajouter quelques un ou deux exos encore là pour ma séance, sauf que il est 10h-10. Et faudrait que je passe faire 2-3 courses vite fait. Parce qu'avec Jade on sort ce soir, plus il manque 2-3 trucs. Donc je me suis dit que j'allais passer maintenant parce que 20h40 quand je finis, ce sera un petit peu trop tard pour les magasins tout ça. Donc du coup j'y vais rapidement. Non mais il y avait aucune place devant les entrées, c'est quoi ça? Genre trop de monde. J'ai dû me garer en plus d'un côté d'une entrée que j'aime pas rentrer par là. Petite habitude de vieux, voilà, je rentre toujours du même côté. Et là non je ne peux pas. Et en plus je suis enfin loin entre guillemets de l'entrée, mais comme il pleut viote, c'est pas terrible terrible quoi. Bon les gars, je suis en boulet. Je suis en boulet. Je n'ai pas pris ma carte bleue. En fait j'ai pris mon. D'habitude je la mets là-dedans. Et je l'avais enlevé pour faire je ne sais plus quoi, donc je l'ai pas. Voilà, j'ai bien fait de ne pas de vérifier surtout. Parce que je serais rentrée, je suis arrivée à la caisse, franchement ça m'aurait saoulé. Bon bah on rentre à la maison du coup. Bon bah du coup me revoilà. Donc je sais pas encore si genre je pars plus tôt et je passe à un magasin. Ou si je tente. Parce qu'il y a un carrefour sur ma route le soir qui est ouvert jusqu'à 21h. Mais c'est juste comme je finis à 20h40, il suffit que je parte genre 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tard ou quoi, et c'est mort. Du coup je sais pas. Bon du coup je vais vous montrer ce que j'avais reçu en colis hier, posé par ici. J'ai tout mis dans le même carton du coup. Il y a un truc que je vous montrerai dans une vidéo sur ma chaîne principale et sinon... J'ai reçu deux produits de la marque Essella, donc je vous ai déjà parlé de cette marque, j'aime trop. Donc là j'ai reçu la palette Make Me Glow. Donc j'ai pas du tout encore ouvert, j'ai juste ouvert les colis. Mais j'ai pas ouvert les produits. Si tu veux bien sortir de là toi.
Oh, déjà il est trop beau le truc, par contre c'est un truc à avoir des... On va en avoir une photo. Trace de doigts, mais il est rose gold et tout comme ça. Trop beau. Oh, oh là là. Donc ouais, vous avez trois couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Magnifique. Surtout celle-ci là particulièrement, j'aime trop. Grave hâte de l'essayer. Et ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres liquide mat. Donc je vous avais déjà parlé de ceux de chez Essella que j'adore. Et là j'ai reçu la teinte John. C'est la teinte 20 je crois. J'espère que je l'ai pas, mais il me semblait que je l'avais pas. Par contre je croyais que ça allait être cette couleur, mais et c'est un nude très très joli. Voilà, vous verrez pour les petits colis. Et l'autre, comme je vous l'ai dit, bah vous verrez sur ma chaîne principale. Et sinon j'avais reçu un autre truc, mais je peux pas vous montrer parce que ce n'est pas pour moi. Voilà, sinon je voulais ouvrir mon calendrier de l'avant, mais où est-il? Il faut absolument que je range là, il y a des trucs partout, j'ai des cadeaux emballés, tout et tout. Donc hier, j'ai pas vlogué et hier, nous étions le 21. Et hier, on avait une crème pour les mains à la verveine. Donc c'est une senteur que j'adore. Bon, je l'avais déjà, je l'avais eu l'année dernière. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 où ça s'ouvre par ici. On a une huile de douche à l'amande. Bon, là je vais m'attaquer à quelque chose, voyez-vous. Je me suis mis une petite vidéo sur la télé et il y a des petites boules comme ça. Ah, je sais pas si vous allez voir. Partout dans le lit. Enfin partout. Là il y en a surtout beaucoup à cet endroit-là. Et il y en a genre là-bas et tout. Et je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout d'où ça vient, ces petits trucs. C'est bizarre, c'est des petites boules toutes dures. Ça me fait penser, j'allais dire, aux petites boules qu'il y a dans les sachets comme ça, parce que là je viens d'en voir un qui n'est pas ouvert. Il y en a vraiment plus, enfin c'est trop bizarre. Ah, mais il est ouvert ce sachet en fait. C'est bon, j'ai trouvé d'où ça venait. Je ne sais pas comment il s'est ouvert, je ne sais pas, mais c'était bizarre en fait. Des fois quand je montais dans le lit, j'entendais, je sais pas si vous allez entendre, mais des petites boules, les petits bruits comme ça, et après j'ai découvert ces petites boules. Ça devait être ce qui était dans le drap. Ça a dû s'ouvrir et j'ai pas fait gaffe. C'est bon en fait, j'ai mystère résolu. Bon, j'ai déjà fait quelques petits trucs, voilà. Et sinon j'ai préparé le... Bah, mon trépied que je dois renvoyer à la poste. Bah il est prêt à être renvoyé. Faudrait que j'aille... J'aimerais bien aller poster des lots concours. Mais du coup je sais pas si je vais avoir le temps en fait. Parce que demain la poste elle ouvre jusqu'à midi. Et comme je sors ce soir, à mon avis je vais beaucoup dormir demain matin. Bon, il est 13h, du coup je me suis lavé les cheveux, tout ça. Donc comme ce soir je sors, voilà, j'aurai pas le temps de me les laver ce soir. Du coup j'ai mis un élastique comme ça en espérant... Normalement j'aurais peut-être juste une petite trace, mais je lisserai un peu et ça sera bon normalement. Donc voilà, j'ai mangé tout ça tout ça. Je vais me prendre un truc que je vais emmener pour le goûter aussi, remplir ma petite bouteille d'eau. Et puis ben, on va pas tarder à y aller hein. Bon, sinon le poisson il fait des trucs bizarres, regardez comment il se met sur le côté. Là il bouge beaucoup et des fois il est par terre, je comprends pas. Genre des fois il est au sol, j'ai beau bouger le bocal, il bouge plus, donc j'ai l'impression qu'il est mort. Et 10 minutes plus tard, il bouge comme un fou. Du coup c'est assez bizarre. Je le laisse se reposer, on verra bien. Ah c'est flou, bref, là il s'est laissé tomber au sol, c'est trop bizarre. Mais là on voit que... Bah qu'il respire quoi, mais enfin qu'il bouge. Ah oh, c'est flou. Bref, passons. Sinon je voulais faire un drive, je vous l'avais dit je crois. Et du coup j'ai pas pu le faire parce qu'en fait sur certains sites quand je commande il faut une validation depuis mon téléphone sur une appli. Sauf que comme j'ai changé de téléphone, mon appli n'est plus active. Et c'est donc une appli de ma banque et en fait c'est le numéro de ma banque associé à la banque. Donc pour valider le truc en fait il faut recevoir un code. Elle me l'avait déjà envoyé, genre j'avais déjà essayé l'autre coup. Sauf que le problème c'est que le temps qu'elle m'envoie le code tout ça, il a déjà expiré. Donc comme je la vois ce week-end, bah du coup j'accepte, je ferai là. Donc du coup je sais pas encore comment je vais m'arranger, mais bref, on verra bien. Du coup là je vais y aller. J'ai préparé 3 colis à renvoyer. Bon, on me voit pas très bien. Me revoilà, ça y est j'ai terminé, ça y est je suis en vacances, c'est trop cool. Et du coup là je vais passer chercher Jade sur le retour, donc je suis trop contente, genre j'étais surexcitée d'être en vacances, de sortir ce soir là, ça va être cool. Je suis un petit peu fatiguée parce que je me suis levée assez tôt entre guillemets, enfin plus le stage tout ça. Mais bon ça ira, voilà, je suis contente de retrouver Jade parce que du coup pendant le stage
c'est pas trop vu, je les croise à la salle et tout, mais c'est compliqué entre elles les cours. Moi, mes horaires de stage, enfin, j'ai l'impression de pas avoir grand monde quand je suis en stage. Ah, il y a mon feu. Mon essuie-glace derrière. Donc voilà, je vais aller chercher Jade, tout ça, je pense que je vais vous dire au revoir maintenant. Parce qu'après on va rester un petit coup chez moi, je vais me préparer, tout ça, puis après on ira tranquillement. Enfin, c'est mon copain qui nous dépose. Puis on prendra sûrement un taxi pour le retour, du coup il faut que j'aille retirer des sous d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui prennent pas la carte. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, il était pas ouf. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Et c'est bientôt Noël quoi. Quand on verra ce vlog, on sera peut-être bientôt, donc joyeux Noël, bisous.